Alors, internal server error exploiting inter-process communication in SAP. Oh. Alors, SAP peut être éclaté, mais aller faire du reverse, faire du web, un peu la flemme quand même. Et puis, c'est un truc de processing pour les desync, pour faire. Ah oh ouais, non. Non, j'ai la flemme. Hein. Plus plugging, plus peut-être de la corruption, plus. C'est tout ça qui fait que ce soit très stylé, mais on a déjà couvert 3-4 ce soir. Alors, Melting, ah, il est incroyable. Il y a trop d'articles incroyables. Celui-là, il est ultra cool parce que Melting the DNS Iceberg, Taking Over Your Infrastructure Kaminsky Style. Kaminsky, il y avait eu des attaques publiées en son nom. Je ne sais même pas si ça. Je suis ultra. Pas gêné, je sais pas si c'est un gars, si c'est un type d'attaque, si c'est. J'avais lu, mais je n'ai pas retenu. Donc je me fais corner. Kaminsky attacks. Ok. Dan Kaminsky, donc ça en fait en effet un gars. J'ai trouvé ça en 2018. Concrètement, long story short, DNS, c'est de l'UDP. Si on peut, lorsque quelqu'un demande à qui appartient ce paquet, deviner le numéro de réponse de. Séquence UDP qui a été choisie, on blast en retour, on inonde. Et en l'occurrence, les TCP, c'est le numéro de séquence, UDP, il y a le port source, une mémoire utilisée en tant que clé. Donc ça fait une chance sur 65 000. On peut blaster et il y en a qui ont de la randomness qui est éclatée. Kaminsky, exactement les DJ Café Night Call. Ouais, très bon, j'apprécie. Égalé. Donc là, en l'occurrence, c'est un revive de Kaminsky pour dire. Le DNS, dans plein de cas, c'est toujours en UDP. Et là, en l'occurrence, ils vont taper ce qu'on appelle, mémoire, c'est des inter... résolveurs DNS internes. À savoir, par exemple, quand vous avez un Docker compose up, ou même un Docker up sur votre machine, il y a un sous-réseau qui va être créé. Et il y a un outil DNS qui peut être configuré, qui peut avoir pas mal de flavor, qui va faire les réponses pour savoir. Quel service DNS, enfin quel service et donc container au sein de votre Docker Compose pour avoir la résolution de nom en fait. C'est-à-dire mon service database, même si c'est pas nadatabase.com, database sera résolu vers l'IP interne de Docker en 172 point quelque chose. L'idée, c'est de faire en sorte d'atteindre ce résolveur, même si on ne sait pas trop encore quoi lui envoyer. Et ensuite, d'utiliser plein de requêtes, par exemple en faisant de la création de compte ou en faisant du mot de passe reset, avec des comptes comme ça. Hello MDU, c'est trop plaisir de te voir, enfin de te lire. Bienvenue, au plaisir de te croiser, parce que ça fait un bail. L'idée, donc, c'est d'essayer d'aller faire du password reset ou de la création de compte pour des emails qui vont être chelous. Parce que pour savoir à qui envoyer ça, souvent il y a de la résolution, savoir à quel... vers quel serveur ça part. Pour savoir vers quel serveur ça part, ça teste la résolution. Si nous, on contrôle l'email, si on contrôle le DNS de sortie, par exemple, si je fais tester... c'est assez chaud à expliquer, en vrai. Faut avoir un serveur DNS malveillant pour vérifier si la requête qu'on fait sort et tester des noms de DNS internes connus. Et si, à un moment, on n'a pas de requête sortante, c'est qu'on a réussi à vérifier le fait de la présence d'un record DNS en interne. Long story short, il y a moyen de voir auquel nom de domaine le résolveur privé répond. Et une fois qu'on a su avoir ces informations, essayer de le blast. Le petit spoil qui était sympa de l'article, c'est que ben, autant les résolveurs publics DNS, ils ont été hardened pas mal point de vue randomisation des ports UDP. Autant en interne, c'est souvent open bar et c'est pas des trucs qui ont été éprouvés plus, donc ça peut vachement bien se faire une réponse et donc prendre le contrôle de l'interne. Prendre le contrôle de l'interne, ça veut dire pouvoir dire ah oui, le host, local host. Ouais, non, mais il est sur mon IP à moi, t'inquiète, bien, on est bien. Pouvoir avoir cette injection là, c'est ultra pratique parce que vous faites un reset de compte et au lieu d'envoyer le mot de passe à je sais pas qui à Gmail, ça vous l'envoie à vous. Et c'est gagné, ça fait plaisir. Bienvenue, Caro. Que de beau monde ce soir. Que de beau monde. Fun fact, quand même, je reviens sur le sujet d'avant.
le Kaminski, il y a notre Kelucha apprécié national qui s'amusait suite à l'étude de cet article à le repasser sur quelques programmes de Bug Bounty et même quelques softs, et il y a encore des choses à faire sur internet. Je sais pas s'il y a eu des rewards, je sais pas s'il y a eu la foi d'aller jusqu'au bout, mais clairement la randomisation n'était pas forcément à l'état de l'art partout. Ça éclate les lèvres. Parlez autant. Ça éclate les lèvres. Alors, labsdetectify.com. J'aime bien Detectify. Il y a des gens sympas dans leurs équipes et j'aime bien l'idée qu'il y a derrière. De faire un peu du crowdsource pour de la détection de vulnes. C'est un peu ce que fait Nuclei, mais en plus rewardant pour ceux qui créent des templates ou qui remontent des vulnes avec un business model derrière. Donc, il y a du bien, du moins bien. J'aime bien l'open source, j'aime bien l'idée de pouvoir payer les chercheurs qui essaient de vivre de leur recherche. C'est compliqué. Alors, background, TLDR. Très bien. Combining response type switching, ok. Invalid state, ok. And redirect query, ok. Pour péter de l'hôte. Voyah. Voilà. Avec une inclusion de third party, avec plusieurs failles, avec des soucis d'autorisation. Ouah, ça va être un délire à lire. Je pense que ça va être beaucoup trop long. Ouais, non. Alors, super. Très content. Mais clairement, il y a aussi bien, du coup, de la bypass de SOP ou de cross-policy avec du post-message. Comme dit, il y a de la redirect. Il y a du flow out. Je suis pas assez calé en out pour parler de d'une findings aussi conséquente. Surtout pour un truc aussi long, ce serait massacrer l'article, mais je pense qu'il vaut clairement le coup d'être lu, parce que ils font de la qualité de manière générale, et ça a l'air solide, en tout cas ça a l'air bien rédigé. Alors, France Rosen le best clairement. France Rosen, tu parlais de ça pour la partie... pour lequel ? Ouais, ok, yes. Ouais, bah, clairement, France Rosen, en effet, solide. Si j'ai déjà lu d'autres trucs de lui, sûrement en vrai. Ah non, apparemment, il n'y a pas le droit au contrôle-clic. D'avoir son Twitter. Non, je n'ai pas partagé sur Twitter. 34 000, ouais, il doit faire des trucs solides. Ah bah oui, bah en effet, clairement, si c'est lui qui a fait le post-message tracker Chrome Extension, en effet, c'est une brutasse, son outil est hyper utile pour avoir un petit peu de login et de visibilité, donc c'est un truc, une extension que vous mettez sur votre browser et qui vous fait un gros log de tous les post-messages et les handlers qui peuvent être mis en place. C'est vraiment le tool ou l'un des deux tools, parce qu'il y a une extension qui fait ça un poil différemment, à utiliser si vous avez du post-message et que vous laissiez de POC. En tout cas, si vous voulez analyser pour ne serait-ce que savoir s'il y a la surface d'attaque de ce côté-là. Alors, The Great Same Site Confusion. Donc, Same Site, là, on parle de web, de HTTP, on parle de est-ce que je dois envoyer mes cookies à un autre site, est-ce que deux URLs sont considérés comme le même ou pas. Heard Same Site Cookie Attribute, qui fait qu'on n'a plus le droit de se partager les cookies comme si on était à un goûter entre potes. Alors, en effet, dans les attaques un peu similaires, CSurf et XSSI. Donc, XSSI, c'est un peu plus récent. Si ça vous parle pas, regardez, c'est assez stylé. C'est l'idée d'avoir... Ah, je vais dire des bêtises. Ça sert à rien de dire des bêtises. Mais concrètement, c'est quand il y a des données perso utilisateurs qui se retrouvent réfléchies dans du JS. Sauf que le JS... Ah non, ça, c'est l'XSLeak. Non, bah j'ai plus en vrai l'XSSI. Je pense que c'est Gelu qui avait fait un bon truc. Si, ouais, voilà. Daily Security, XSSI et la SOP. Et il a fait un truc assez précis pour bien comprendre comment ça marche. Donc, meilleur article de l'année 2022. Je pense qu'on mette son article de 2017 dans la liste. Comme ça, on est bon. Fast and loose with terminology.
C'est marrant ça. Pour éviter de péter. Donc ils ont mis une protection en place, ils ont vu que ça pétait des sites. Pour éviter de trop affecter de monde, ils ont mis la protection en place, mais dit que la valeur par défaut c'était open bar. C'est fâcheux. Parce que du coup, plutôt que d'avoir un système qui tombe en marche et quand il marche, il est sécurisé, ils ont un système qui marche et qui tombe. On est d'accord. Bon, clairement, j'ai un peu. Ils ont pas beaucoup de bugs back-end avec. J'ai bien aimé l'idée de SST et Django au début, mais. Alors, underrated bug, clickjacking, CSS, injection, drag and drop XSS, login, logout, CSRF. Waouh! En effet, c'est pas mal de underrated bugs, s'ils arrivent à en faire un truc sympa. C'est injection, plus clickjacking to account takeover. Pas mal. Ouais. On peut faire des thèmes des couleurs. Forcément, dans les couleurs, il y aura une injection de CSS, il n'y aura pas de taille maximum. Ok, exactement. Changement d'email, envoie une requête post à tel endroit. Ok, donc ils ont juste fait une page pour profiter de SOP ou de cores qui sont éclatés pour que quand on visite cette page, ça submit un form et probablement quand le form a été envoyé, d'un coup pas, ça nous affiche le CSS qui a été injecté, je suppose. Et à ce moment-là, le CSS qui aurait été injecté. Alors, normal change email settings, ok. Okay. Donc en effet, ils ont modifié le CSS de la page de reset pour forcer un clic, et sauf que ce clic, forcément, il a fait un truc sympathique. Alors, drag and drop XSS, jQuery, HTML. Donc, jQuery, quand c'est présent, c'est souvent très pratique pour exploiter de la XSS, parce que ça met un contenu un peu plus riche, ça donne plus de surface d'attaque, et ça fait qu'avec moins de char, moins de contrôle sur une payload, on peut quand même avoir de l'XSS sympa. Par exemple, demander de l'éval sans avoir de l'éval, demander d'aller récupérer des ressources distantes sans faire un fetch, sans faire des trucs un peu extensifs. Donc là, ils ont fait en sorte d'avoir un moyen de catch les drag and drop et ça a été mal géré. Oh là là. Ils catchent le drag and drop en allant modifier du HTML à la volée. What could go wrong? This. Donc, ok, et ensuite on repart sur exactement. Ah non, c'est un DOS qu'ils ont fait. Petite technique sympa, vous pouvez pas, si vous avez du mal à augmenter la criticité de vos failles, one more pro tips de Guilucha, essayez de les transformer dans un cadre légal. Et en essayant d'impacter que vous, en DOS. Parce que un DOS, ça peut être critique, ça peut vraiment rendre la donnée inaccessible. Et là, en l'occurrence, la strat utilisée, c'est d'aller set dans le navigateur qui est assez permissif, plein de cookies de taille très longue. Ce qui fait que quand le navigateur envoie la requête au back-end, il va mettre tous les cookies dans l'unique header cookie. La ligne va dépasser les je sais pas combien de chars. Je pense qu'au bout de peut-être 10-20 000, c'est déjà largement refusé par le back-end, ce qui fait que même si on ne casse pas le back-end, puisque n'importe qui pourrait envoyer des URL longues, bah les utilisateurs ayant été impactés par cette faille ne peuvent plus accéder au site tant qu'ils n'ont pas supprimé leurs cookies. Vider le cache ne suffit pas, il faut vraiment supprimer ces cookies. Allez dire à Jean-Madame Michel Grand-Mère ou Jean-Edouard Grand-Père, vide tes cookies et le cache pour accéder à ta messagerie, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ou alors ils auront un virus au passage. Alors, je ne sais quelle magie. Bref, très sympathique. Très sympathique. J'aime bien l'idée de tricoter plein de bugs ensemble, même si c'est du front-end. Ça reste assez chouette. Alors, synactive, persistent, PHP payloads, in PNG, auto-inject code in animage, and keep it there. Le côté persistant peut être sympa parce qu'actuellement il y a déjà pas mal de techniques et de tools qui font qu'on peut prendre un peu de code PHP, le mettre dans de la metadata d'image. La metadata, maintenant il y a de plus en plus d'endroits qui disent ça craint, donc on la dégage. Ok, il y a des nouveaux tools qui ont été faits pour dire
on va faire en sorte de prendre la chaîne caractère malveillant, on peut créer une image, et soit de trouver un endroit où l'image n'utilise pas les données mais les conserve et de le placer dedans, soit de voir les parties reverse shell PHP par exemple, comme la partie compressée de l'image, de le décompresser et d'ensuite mettre ce flow décompressé comme une partie du contenu de l'image. Ce qui fait que quand on envoie notre image dégueulasse qui a en pré-compression, qui vraiment n'est pas très bien formée, en tout cas qui a plein de bytes bizarres, post-compression, paf, on fait apparaître le web shell ou le reverse shell. C'est vraiment l'idée de d'utiliser des bouts de stream, des bouts de stream de char compressés qui ont une apparence qui est dangereuse et qu'on veut voir reflétée dans l'image de fin pour trouver qu'est-ce qui génère et le. Et donc pareil, il y a à la fois de la compression qui est sur les images, mais il faut savoir qu'il y a aussi du resize, il y a aussi de la rotation, des choses comme ça. Je pense pas qu'il y ait tout à ça de manière générique, mais on pourrait très bien se dire que une image est tout à fait inoffensive quand elle est en 400x400. Dès qu'on la resize en 200x200, pour gagner en taille, elle va être compressée. Et c'est à ce moment de compression, en tout cas de virer une partie inutile de l'information, que paf, le web shell apparaît. Je pense qu'il y a sûrement un paquet de bugs comme ça qui seront inclus dans nos backends respectifs, mais pas forcément reachable, en tout cas très dur à obtenir. Parce que c'est de la seconde, voire triple order injection. Si vous avez un bug et que vous pouvez le trigger avec un get, c'est facile. S'il en faut deux, ça va. S'il faut trois gets, plus une semaine pour attendre que des logs soient compressés, plus attendre un trigger manuel de quelqu'un pour demander de faire un petit refresh des caches d'images, la probabilité de le détecter, elle devient quand même sacrément fine. Alors, j'espère que vous n'avez pas décroché. Je sais pas si on ira au bout de ce soir. Faire de la boulimie d'articles, c'est pas forcément smart non plus. Après, ils vont donner la suite des finalistes d'ici un ou deux jours, donc ce serait dommage au bout de Nice. Alors, simple injection in PHP-NG file. Qui repart sur les commentaires, donc là c'est de la metadata. Gros insertion, c'est le fait de le mettre en dur dans le fichier, en effet. PHPGD image compression, c'est sympathique, mais avec PHPGD, souvent ça gère aussi des formats chelous, genre du PostScript, où j'en passe, et donc il y a souvent moyen d'avoir du processing d'images bizarres. PLTO chunks, ça devient plus intéressant, c'est en fonction de comment est-ce qu'on encode, faire en sorte qu'il y ait de la donnée arbitraire, donc malveillante pour un attaquant, qui soit reflétée à la fin. Donc, par exemple, on peut demander d'avoir un algorithme de compression nul, et donc c'est juste ça reflète la même chose dans le pré et le post-compressé. On peut aussi utiliser une palette de couleurs arbitraire. Si on a un format de fichier dans lequel on indique quelle palette de couleurs on utilise, elle est forcément gardée tant que le fichier garde le même format, parce qu'on veut savoir avec quel décodeur on doit afficher quelle couleur de pixel. Ce qui fait qu'on peut se débrouiller pour dire affiche le rouge. Ouais, il faudrait qu'il y ait des zones continues de mémoire. Des zones contiguës de mémoire. Bref. So many ways. Donc, encore un chunk différent où on met l'image d'une manière différente. Et donc là, il l'encode par rangée ou par ligne. Je ne sais pas exactement. Mais ça se fait. Le tout, c'est de lire le code et de poker. C'est quoi ? Une m-a. NASA.php. Donc le PHP, je pense qu'ils s'y font file dessus, c'est une image valide, toute propre. Et donc le dernier, Imagic Resize, on en parlait. Peut-être que j'étais déjà tombé sur l'article. Et Text Chunk. Et oui, forcément, si on peut être du texte, c'est tout de suite plus simple de mettre un petit peu les payloads qu'on veut. Très bien. It works. Après, je suis quand même un peu sceptique, parce que là on parle de PNG, de JPEG, de choses comme ça, mais si jamais on arrive à envoyer du SVG, même si ça a l'extension .png, le simple fait que ça ait les bytes de début de SVG fait que ça va pouvoir passer au back-end et être compris par Imagic, Convert et j'en passe, et GD, comme du SVG, et donc derrière il y a
bah, du plain text dedans. Du plain text. Donc si vous avez du WebShell PHP, ça passe pareil. Donc, resize, text. Intéressant. J'aime bien le petit sum up à la fin pour dire si vous avez de l'IDAT, ça passe partout. Ultra intéressant, oui. Article de l'année, je sais pas, parce que c'est quand même du... C'est un gros sum up, mais c'est pas novateur. C'est quand même des techniques connues qui permettent qui étaient déjà là. Mais par contre, c'est vrai que ça fait une bonne petite bible. Bon petit check-up. Alors, till recollapse. Est-ce que ce serait pas du RE pour du DOS ou des choses comme ça? 0xacb, je connais pas tant. Alors, clairement, c'était du regex. Est-ce qu'ils ont un TLDR? Follow launch of recollapse tool. Ça me dit quelque chose, je pense que je l'ai lu ça. Alors, black box, regex, fuzzing, to bypass. Ah oui, on a vu. En effet, j'ai vu ça avec Lupin au travail. Petit regex qui permet de générer pas mal de choses, faire du fuzzing et notamment de retrouver des open redirects qu'on pensait patcher depuis un certain temps. Très très bon. Très très bon. Je sais pas si là il présente juste le tool ou aussi les findings qu'il a pu avoir avec. Mais clairement, ce tool, pokez-le, utilisez-le, implémentez-le dans vos automatisations ou dans vos routines de check. Je pense que là, actuellement, alors attention, hot take, si quelqu'un s'amuse à récupérer tous les rapports de XSS ou d'Open Redirect présents sur HackerOne, Bug Crowd Integrity et tout, passe dans ce tool et fait du recheck derrière pour essayer de repoker les payloads des assets qui sont encore vivants, je suis sûr qu'il y en a un sur 3 ou 1 sur 4 qui devient un bug valide, qui redevient un bug valide, parce que ça trouve vraiment des dingueries. Si vous faites de la thune avec ça, sponsorisez la chaîne. Brah. Please do. Alors, ah yes, du Project Zero. Trop bien. Donc, SAMSA, Exploiting Java XML Signature Verification, du XSLT, ça sait faire plaisir. Ça, clairement, je préchote que Agari va potentiellement bien le noter parce qu'il aime bien le XML, il aime bien le XSLT. Il a déjà fait du fuzzing là-dessus, donc ça lui rappelait des bons souvenirs. Et il est au board de référence pour ses articles. Il y a la communauté, le vote de la communauté qui compte pas mal, mais il y a aussi un board qui est composé de, on a dit... Suis-je aveugle? L'avoir lu, peut-être que j'ai confondu avec une année précédente. XSLT in Java, très bien. Le code source, pourquoi pas. Montrez-nous les payloads. Du Java qui parse du XML. Ça fait un petit peu déjà vu. Alors s'ils sont amusés à faire du float qui va être mal parsé à cause de la manière dont c'est encodé avec les mantis, je sais plus allemand. Bon, clairement, c'est comme faire du pawn en live, sauf rares occasions à éviter. J'aurais bien aimé quand même voir un truc un poil plus précis. Arbitrary class, accessible runtime. Sympathique. Je sais pas à quel point l'article dit ça, mais s'il dit j'ai essayé de faire, de comprendre, de faire des choses, de galérer, et à la fin, by the way, en fait, on peut juste demander au XSLT de faire un exec runtime machin Java. C'est dommage. To required method and classes. Ah, après, si c'est juste référencer les méthodes et les classes sans autant pouvoir les instancier. Classe, force, équipe, classe, causation, classe, nain. Et tout ça, on s'en fout un peu. Tout ce qui pose le reste, c'est Je
pense que survoler cet article n'est pas suffisant pour en trouver la subtilité. Donc, plutôt cette année, je trouve une attaque surface dans Java à cause d'un custom JIT et du XSLT program qui faisait du untrusted processing. Ok. Attaqueur du XML. Ok. Donc, c'est un integer Digger Truncation bug dans le JIT qui se termine en RCE. Ok, ça devient plus clair. Du coup, c'est il y a une vérification de signature, donc ça part sur XML. Dans le XML ou l'XSLT, il se débrouille pour avoir un int truncation, sûrement pour aller corrompre quelque chose plus loin. Du genre un int qui est trop petit, qui devient énorme, donc on peut se mettre à écrire ou lire à des endroits où on n'est pas censé pouvoir le faire, pour derrière sûrement réactiver une fonctionnalité côté XSLT. Donc, soit réactiver la feature qu'on a vue à la fin. Et comment est-ce qu'il fait le underflow? Substring. Constant pool overflow, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment avoir l'int qui est underflow pour devenir trop gros, pour avoir accès à un pool, corrompre des données et voir ce qui se passe derrière. C'est sympa. Putain, ils sont fracas à Project Zero. J'adore. C'est vraiment des barbares. Genre XML, ils auraient pu faire un petit coup de fuzzing et ils font un coup de fuzzing plus une technique sortie de nulle part. Nice. Alors, petit retour sur PTSwarm, Jetty Features for Hacking Web Apps. Nice. Jetty, j'en ai eu quelques fois. Trois, deux, trois trucs sympas, mais sans avoir des dingueries de ouf non plus. Alors, Detecting Jetty, point virgule double quote. Et c'est censé popper le nom du serveur. Ok. Intéressant. Le point virgule double quote est censé nous cracher Nginx, Apache ou Jetty si ça se découvre bien. Pourquoi pas. Je garde mon chouchou, le point 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 virgule slash, mais pourquoi pas. Donc Jetty Home, Jetty Base. Ok. Jetty Base, point slash relation, toi process run by Jetty server. OSEF un peu. Discovery context. C'est un mec qui ls. C'est marrant ça. S'il y a une espèce de mapping entre la manière dont c'est servi dans Web App Route et ce qu'on voit dans la partie publique, à tout moment il y aura du pass traversal un peu crado dans l'article. Alors, si l'application fonctionne correctement, ouvrir, et sinon si on fait un slash avec une valeur qui n'existe pas. Ah ouais, donc en gros si on fait un ok, c'est ça. Donc si on fait juste une host header injection où on met n'importe quoi dans le host, leur tototata, ça envoie le panel d'admin. C'est terrible, c'est terrible. Donc clairement j'ai déjà vu des choses comme ça, mais il n'y avait pas la partie render avec qu'est-ce qui était déjà présent. RCE via file upload, très bien. Via quoi tu upload? Est-ce que là il y a un petit form upload? On ne peut quand même pas faire un put comme des gros sales. Alors par défaut, JSP, process, donc c'est génial, c'est comme... C'est comme du PHP, écriture de fichier égale RCE. On peut avoir du JSP, JSPF pour fragment, JSPX pour applicatif, je pense. La même chose en majuscule, c'est un plaisir. C'est un plaisir. À tout moment, point .asp, ça marche aussi, mais passé différemment. Ah. Et par contre, ils disent pas comment est-ce qu'ils font pour faire l'upload. Donc... Puis une exécute ferme, voilà, ok. Donc en effet, avoir une écriture de fichier arbitraire, si on arrive à déposer le fichier au bon endroit, c'est win, et il n'y a pas l'endroit qui vont auto-déployer ou auto-reload les fichiers, donc avec du Inotify. Pourquoi pas, sûrement moyen de faire des trucs sympas.
Sûrement, moyen. Un poil plus gros pour vous. Case 2, on peut faire un shell dans work. Donne la syntaxe utilisée pour créer le répertoire. Pourquoi pas. Si on sait quel répertoire temporaire a été créé, alors on peut aller mettre des dingueries dedans. Ils font des jolies couleurs, ils font ça bien les gens. C'est cool. Ouais, concrètement, ils disent si on arrive à écrire au bon endroit en RSE, en même temps, si on arrive à écrire au bon endroit, on écrit une clé SSH. Hein. Rigger Directory, Warfile, XML File, en effet, tout ça, ça marche. C'est très similaire à Tomcat hein, jusque-là. Tout ce qu'il montre, on peut le faire sur Tomcat, ça marche crème. Case 2, impossible d'avoir archive. Ils vont vraiment juste nous dire qu'on peut uploader des choses et faire des choses. XSS, j'ai fait l'upload. Donc, oui, jusque-là, ça se tient. Ah, non, bon, ça c'est sympa. Le fait qu'on ait des extensions, même complètement cheloues, qui soient quand même envoyées en MIMTYPE HTML, ça c'est sympa. Parce que ça, la plupart des browsers, la plupart des frameworks web, si vous ne servez pas du HTML, JS, CSS ou autre, ils vont vous l'envoyer en file download. Donc même si vous avez du JavaScript reflété dedans, bah, soit ils vous l'affichent en disant que c'est du plain text, soit ils vous le font télécharger en disant que c'est du binary, content, disposition, machin, machin. Mais ça ne fera pas de l'XSS. Donc là, c'est clairement un vieux comportement dégueulasse hein, qui n'a pas lieu d'être. Alors, bypassing WAF or filter. Ça, c'est, ça fait partie des bypass testés par URL parseur, donc pourquoi pas. Petit JSP. C'est sympa, des samples de WebSell JSP, il y a un moment, c'était un peu chiant à trouver. Fallait, ça se fait, hein, c'est comme tout, c'est du Java vite fait custom. C'est quand même bien d'en avoir un sous la main qui a été testé et éprouvé. Un peu moins chiant. Ok, donc forcer le format de réponse pour bypasser les... pour bypasser les WAF qui seraient un peu du père. En tout cas, là, c'est le format de requête. En soi, WebBrowser, si on peut envoyer un JSP, c'est pas la petite commande qu'on envoie en entrée pour dire getetc password qui va être... c'est même pas... À partir du moment où on a de l'upload de fichiers, où on peut contrôler ce qu'on lui envoie, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il bloque une commande ? C'est déjà game over. Ouais, bah conclusion, c'est... Ok, ça peut être intéressant. Conclusion, c'est un bon wrap-up de ce qui peut se trouver ou faire sur Jetty, mais c'est jamais qu'une redite de la doc. Mais bon, en tout cas, c'est précis, c'est une bonne petite bible de Jetty. Faut voir c'est l'overlap entre ça et Book Actrix, mais... Ok. Alors, SSRF caused by SNI proxy misconfiguration. SNI a load balancer to the SNI extension field to reflect backend. Ah! Donc, concrètement, j'ai l'impression que ça ressemble un peu de l'AJP, à savoir, c'est un moyen de communiquer entre un serveur et son proxy qui va faire un peu du health check et savoir à quel point le serveur est chargé avant de lui envoyer des choses. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est absolument pas ça. Server name indication, c'est clairement pas ça. Donc c'est juste une extension de TLS qui permet de faire une espèce de ping-pong. Utilisé pour gérer des VHosts. Ouais. Ouais, mais ouais. Il y a tellement de trucs qui peuvent être utilisés pour gérer un VHost. Tu veux dire, donc Chris, vous avez parlé d'un seul serveur qui gère le TLS avec un certificat chargé, un certificat partagé par pas mal de subdir, et du coup, ce serait juste la partie SNI qui fait la délégation. Je pense qu'il y aura un petit peu de délai, donc je vais essayer de lancer le temps que tu répondes, mais... moyen que ce soit ça. Donc SSL pre-read, nanana, to backend 1 ou backend 2. Ok, donc ça fait une espèce de pré-échange pour savoir un petit peu si l'autre répond bien à ce domaine et savoir si on lui envoie. Ouais.
Il y a sûrement des trucs utiles, hein. Peut-être que c'est plus qu'un reverse proxy. Alors, Chris qui répond, en natif sur Nginx par exemple, avec plusieurs domaines sur un même port avec échange TLS. Ouais, mais du coup, c'est jamais que la gestion de vhost, ça se fait avec plein d'autres choses que du SNI. Genre avec le hostname. Tu vois. Ok, non, bah, ça a l'air de se regarder, hein. Clairement, si un mec qui a scanné et qui en a trouvé 25 000 d'ouverts en proxy SNI, c'est qu'il y a des choses à faire. J'ai du mal à comprendre en fait si c'est vraiment un proxy ou c'est plutôt un. Pour moi, c'est plutôt un système de reverse proxy. Sauf que c'est pas choquant d'exposer un reverse proxy alors que c'est choquant d'exposer un proxy. Bah justement, le hostname est utilisé pour distinguer ta cible réelle et gérer la négociation du certificat via le SNI. Ah, makes more sense. Ok, donc c'est un gros frontal qui va permettre, en fonction du hostname que tu récupères, d'aller choper les bons certifs, certir et servir le bon site et les bons certs. Si j'ai pas compris de travers. Alright. Bien fait, en plus, le prochain coup, tu deviens un co-animateur. Alors, les talks, clairement. On ne va pas regarder des talks parce qu'on va se faire strike en faisant du YouTube. C'est sur la direction The Unholy Trinity. Ah, slide. Alors, c'est Surf Resurrection. Security, Web Exploitation, très bien. Active Antidote, Cookie Circle. De plus, il n'y a pas de LDR. Enfin bon. J'en mets pas non plus au début de mes slides, mes slides c'est pas fait pour être. Allez comme ça. Et donc là, l'axe by default, je pense qu'on retourne un peu sur l'article qu'on a vu tout à l'heure. Je sais pas s'ils ont mis plusieurs liens, mais ça a l'air de reprendre le bug du on a l'axe, on a le same site qui par défaut est vu à l'axe, donc mettre un mécanisme de protection pour qu'au final il soit disable quasiment partout par défaut. Et donc je pense qu'il a plutôt pris le temps de voir quel framework ça allait impacter. Ou quelle manière de structurer les choses. Face Worker, on balance du JS. Le JS fait des choses pour mettre des trucs en cache. Faire du fetch. Donc, Corebox, maintained by Google Chrome. Ok, donc là, c'est vraiment l'idée d'aller utiliser des scripts JS faits par des gros maintainers et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut leur voler. Et peut-être les utiliser pour faire du pass plat et donc la donnée. Clairement, avoir un petit LR à la fin. Ok. Ce que j'en comprends, c'est essayer de faire un double binding pour que on puisse faire passer du contenu, de la donnée sur une victime qui aurait chopé un XSS via un third party qui va servir de passeport. Et donc, ça va pas être un. Ouais, non, clairement, je pense que si vous voulez, ça va pas être assez. Ah, ça m'aide, donc le site est géré. Dans l'idée, c'est plus bas niveau qu'Reverse Proxy, vu que ça se passe directement au niveau de la négo du certificat. Yes, genre, il y a une première socket qui a été ouverte, qui permet juste de faire le.
Faut regarder. Ça pourra faire l'objet d'un bloc, Sunday. Support pour la mystique, certes. Ok. Ok, ok. Merci en tout cas des détails et éclairages très sympathiques. Alors, CV 2022, machin, machin. Psychic Signature in Java. Doctor Who, pour ceux qui aiment, Psychic Paper. Ça a l'air ultra dense à lire. Ça a l'air d'être aussi lié à de la crypto. Yes. Ouais, non, clairement. Pareil, la crypto en live. Oh, quoique ça a l'air ultra violent. Detail. Ok, donc clairement, je pense que ça dit, ce petit bloc dit tout. L'implémentation Java de CDSA manquait un check et il ne vérifiait pas si R ou S, donc deux paramètres qui sont utilisés pour générer ou vérifier que les clés sont fonctionnelles, soit 0, sauf que si vous faites quoi que ce soit fois 0, ça fait 0. Donc il y a moyen de rendre, de fausser le contenu d'une clé en faussant la signature, en mettant tout à 0, et hop là, ça passe tout à trou et ça passe. Je sais pas dans quel sort c'était utilisé, mais ça doit être sympa. Oui, c'est un bug qui a été... pas présent jusqu'à il y a pas très longtemps, qui est introduit récemment dans le EC code de l'implém Java en natif C++. En Java 15. Très bien. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'ECDSA en Java 15? Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ça? Stylé d'avoir pensé à regarder et de s'être pas dit ouais, mais tu as déjà dû checker 15 fois. Sympathique. Yubico, nanana. Très bien. Petit flex de Yubico pour dire qu'ils font les choses dans tout le monde. C'est potentiellement vrai. Alors, blog Vietelsi. Merci. Deep understand SPX file handling and how some related attack vector. And summary. Très bien, 2IS, basic concept, on a un 2IS, très bien, très bien. Oui, donc on cite là un pass, un vhost, un répertoire où son contenu est hébergé. Okay, donc il pose un peu les structures de l'article pour dire. C'est géré point de vue user, point de vue pool de worker et tout. De la SPX. Okay, donc un pass qui devient. Donc un pass web qui devient un pass file system pour lire la SPX, pour le transférer en C sharp, pour lancer du coup CSC qui tourne sous Windows comme Linux pour run le C sharp. Bon, là ils font DLL, mais ça pourrait faire autre chose. Puis du page unload, c'est ultra lourd. C'est terrible. C'est terrible. Disponible, folder, save cache. Ok, donc pour éviter de refaire l'étape de compilation à chaque fois, ça va pas repasser par la SPX, mais par un SPX compilé ou par le DLL compilé. Enfin, par le DLL. Là, ils vont nous dire quoi? Cache data, save in the file, nanana. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire avec? Parce que clairement, là, on parle d'URL et de file system. À tout moment, ça finit en passe traversale. Pour essayer d'aller faire charger une autre DLL ou une erreur comme ça. Alors, code gender, oui. Top level file hash. Pourquoi pas? Ah ah! Ça ressemble à nouveau au souci de cache. Code gender, c'était le. Ok. Windows Net Framework. Ça ressemble pas mal au fonctionnement de PHP hein, jusque-là. C'est aller mettre des fichiers temporaires quelque part, essayer de faire interpréter le PHP, créer un menu temporaire dans temp quelque chose ou un subdir de temp,
souvent random. Regardez, si quelqu'un à la fois, ça pourrait être super intéressant de regarder comment sont générées les passes fichiers random PHP. Je sais qu'avant c'était brute forçable et que ça allait plus, mais c'est pas parce que c'est dur à brute forcer ou de savoir lequel on a que c'est forcément que ça implique que ce soit dur de trouver des plis de clés. Et donc si on arrive à réutiliser le cache déjà utilisé par une autre requête, peut-être on fait de la natural de session, quelque chose comme ça. Faut voir sur quoi c'est basé surtout. Alors top level file hash. Ok. Donc fichier.web. Donc ils ouvrent un fichier pour prendre son contenu, faire un chemin d'un autre fichier avec le contenu lu précédemment et essayer d'aller exécuter des choses. Donc clairement ça sent la collision de cache. Alors chap, non ça c'est pas de la collision de cache. Quelle idée. Alors style-ci, web shell backdown. Ok, donc là l'idée je pense que c'est vraiment de pouvoir dire si vous avez le contrôle d'un fichier qui contient que ce qui semble être de la metadata, vu qu'il y a des chemins qui sont générés avec ça, prendre le contrôle d'un fichier qui a une extension .web qui sera blacklistée nulle part, pourra être utilisé pour aller faire charger du code assembleur pour compiler ailleurs. Ça semble flaky, mais en effet, avoir une backdoor un peu cachée juste parce qu'elle a le même hash qu'un autre truc, on dirait qu'elle peut utiliser. Mais bon, test jusqu'à un certain point. Je veux dire, on voit que le DLL va être chargé en mémoire, on voit que le fichier va avoir des temps d'accès vachement plus récents que les autres. Ça reste largement catchable. Donc très bien, c'est quand même cool qu'ils aient proposé du tout là-dessus. Hop, j'ai le scanner. Ouah, bypass to some extent. Hein. Donc, clairement, ça permet de refaire marcher des attaques qui étaient bloquées avec un niveau d'indirection en plus. Non, c'est sympa. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Et vu que c'est 2IS qui fait des choses avec ses folders à tout moment, il a du mal à faire le cloisonnement d'une appli à l'autre. Et là où on pourrait ne pas avoir le droit d'écrire, ben, vu que c'est OZS qui fait sa tambouille, il écrit là où il veut. Et donc en effet, deux passes qui ont des nuages différents. Et là, c'est trop cool. Non, ben, ça ressemble du coup, c'est dans la veine de ce qu'a fait Orange Tsai. C'est super sympa. C'est un pasteski, ça, du coup, on a dit. Yatel Cyber Security. Non, très chouette. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est concis, c'est propre. C'est pas des technos que j'aime bien, mais RSKVP93, not bad. Ah, Pinerd. Pinerd, mec très sympa. Super content qu'il ait été miné. Je suis très fier de Plot Trix in Java. Il a fait des dingueries sur les. Sur la partie JNDI, sur la partie réflexion et surtout sur les JDBC. Il a fait des dingueries sur les URL de type JDBC pour aller faire de l'instanciation de classes arbitraires. Et donc, l'idée de ses recherches, c'était. Vous mettez une URL au bon endroit. Demandez à Java de comprendre ce que c'est que cette URL et paf, c'est un shell ring pour vous. C'est sympa. Note à moi-même, prendre du stick pour les prochains lives. Alors, forward, faire le upload dans du Java, très bien. Petit summary de plein de tricks, très cool. Donc il y a une méthode qui peut être chopée le nom du fichier. Ok, pourquoi pas. Je vais lui passer un code pour récupérer le fichier. Ok. Ça va être sympa, il y aura des trucs. Alors, during debugging the code, we can find the file name containing backslash. Donc ça va être dégagé. C'est trop cool. C'est trop cool. Faire du file upload, voir qu'on n'a pas le droit d'envoyer du .jsp, mettre un backslash, et ça passe. Bon, ça, c'est ça fait partie des genres de choses qu'on est censé quand même tester, faisait quand on y pense, mais c'est quand même cool.
avoir un endroit où c'est noté en dur et on sait que ça marche, c'est sympa. Et là, c'est quoi? Il est entre JSP et JSPZ. We can also use one single double quote. Ah, si les double quotes n'est pas fermante, ça va truncate le dernier char. C'est ultra cool. Je suis en train d'essayer de réfléchir à quelle confusion d'extension on pourrait utiliser. Par exemple, avoir une extension qui soit. Par exemple, si Strix marchait en PHP, on pourrait avoir du PNG qui devient PNP. Donc si on avait du PH. Bon, PHT, ça s'exécute aussi. Faudrait regarder. 5. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, bug très sympa. Bug très sympa, le côté je vais prendre le crochet moins 1 pour couper un char avant la fin. Double quote, garde le backslash JSP. C'est marrant, il y a vraiment des gens qui s'amusent à lire le code et à comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne, comment c'est parsé. Pareil, là, c'est gold ça. Et ensuite, il y a d'autres gens, catégorie, qui allons juste faisaient comme des bourrins jusqu'à voir s'il n'y a pas une combinaison bizarre avec du byte shuffle, du bit switch ou quoi qui finit par passer. Ouais, non, c'est sympa. C'est ouf la permissivité de certains langages. Je trouve ça ouf. Là, la partie sécurité, ça aurait été de dire j'ai pas compris la requête, je t'accepte pas. Je suis moins conciliant avec ce que je reçois, je suis hyper strict avec ce que je reçois. En fait, on est passé vraiment en info d'un concept à l'autre, à savoir à l'époque, on était dans du. Il y a des RFC qui parlaient de ça, qui disaient il faut être très conciliant dans ce qu'on reçoit et très strict dans ce qu'on émet. À savoir, même si on envoie du contenu qui est un peu mal forgé, un peu mal généré, faut pas que je crache, faut que je comprenne, faut que je normalise, que je nettoie et que je puisse quand même utiliser un petit peu ce qui a été généré pour moi. Et bien sûr, envoyer le contenu quand on fait des requêtes le plus propre possible pour pas que ça fasse crasher notre serveur. C'est plus ça. Maintenant, il y a de la sécu, on a des vrais besoins de sécu. Faut dire, si c'est mal formé, je vais nettoyer pour toi, tu dégages. Moi, des requêtes bien faites, tu dégages. Alors, Hacking the Cloud with Samuel Hexacon, celui-là, j'ai pas été à l'Hexacon, mais j'étais devant. Et j'entendais beaucoup de bien. Je l'avais lu, mais c'était assez dense. Samuel, à moins d'avoir vraiment l'utilisation, moins d'avoir besoin de l'utiliser fréquemment, il y a quand même beaucoup de spécificités, quoi. De la même manière que je connais pas celle de Loro, je connais pas forcément le Samuel par cœur. Mais bon, par contre, il est parti un peu, mais il y a plus de choses à dire, je pense. Alors, Apache Pinot, SQLi, NRC ou Cheat Sheet. Très bien. Qu'est-ce que c'est que Apache Pinot? Bon, pas Apache Pinard, mais la thème scriptlet OLAP Data Store. Très bien. Ok, donc une appliance Apache qui fait de l'OLAP. OLAP étant un truc de stockage, OLAP Data Store. J'ai plus l'acronyme. OLAP Queries. Online Analytical Processing. Ah. De plusieurs systèmes de bâtonnets en même temps. Si tu veux. Donc, c'est une espèce de méta-query pour aller query plusieurs types de DB ou plusieurs DB en même temps. Et donc, apparemment, c'est éclaté. Il y avait un What is Pinot, c'est dommage. Real-time, distributed, OLAP Data Store, ultra low latency. Certains diront blazingly fast. Virtuola, Ponle Analytical Processing, très bien. Blazingly fast. Putain, il y était. Performant, agrégation, indexing. Ben, je sais pas ce qu'il faut pour faire tourner un truc aussi énorme, mais Hadoop, Kafka. Ah, ok, du Spark, du Hadoop, du Kafka, du BigQuery, et j'en passe. Ok, très bien. Donc, énorme surcouche, qui doit gérer tout un tas de formats, donc ça doit être un nid à bugs. Sympathique. Je sais pas là s'il parle de faire ça en pré-auth, mais forcément si t'es post-auth avec une appliance qui fait autant de choses, oui, il y aura des choses. Est-ce que syntaxe et basics, ok. Donc là il donne un peu la syntaxe de l'OLAP.
pour être ultra petit pour vous. J'espère que c'est mieux comme ça. Void column name, you can see return all the records. Très bien. Donc, ok. Vraiment un gros cheat sheet pour les SQLi ou du DOS. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux y passer de WAF. SQL injection, ok. Bon, clairement, ça fait du string format. Le moins string qui passe dedans, c'est terminé. Ah, du groovy. Sympathique. Not yet made in to release. Release version 9.0. Ok, donc il y avait une console groovy qui était exposée de base partout pour tout le monde. C'est sympathique. Pour avoir déjà eu RCE sur du groovy, si jamais vous avez une console qui est exposée, c'est terminé quoi. Oh, c'est incroyable. Ok, donc ils permettent de faire de la... Ils ont exposé des built-in qui permettent de faire du groovy via le SQL, donc forcément, c'est RCE derrière. Ou ça SSRF, mais SSRF via RCE, donc on s'en fout, c'est RCE quoi. C'est sympa. Ça a quelle gueule en fait. On va savoir un peu quelle tête ça a. Parce que si toutes ces fonctionnalités sont vraiment... Bon, ok, ça pue, c'est un gros tout l'administration, mais si tout ça, c'est bétonné derrière de l'autante, change pas grand chose. Alors petit coup de chat, merci pour les reviews, je dois y aller, plaisir, une prochaine. Et bien merci, bonne soirée à toi aussi, content que ça ait plu et que t'es... C'est quand même 2 heures que t'es resté, hein, pour voir de la review de sécu, solide. Bonne soirée. Alors on continue, du Zookeeper, pareil ça peut se péter, là il parle du setup ou il parle de... Server to attack other nodes, ok. Donc, utilisez le proc file system pour avoir un peu des infos, trop bien. Si vous ne connaissez pas, utilisez le proc file system, faites un man proc, man slash proc, vous allez revivre. Choper le zookeeper, très bien. La key location. Bon, concrètement, c'est tout plein de technos qui sont faites pour marcher ensemble. On en pète un et on utilise les autres en rebond pour aller se balader. Donc, son TLDR, Pino, Modern Database Framework, trop cool. Injection to RCE, vu qu'il y a Groovy et sûrement pas mal d'autres choses, tant mieux. Dans les containers officiels, RCE veut dire route sur le serveur, clairement. Vu le nombre de containers qui font tous tourner en route. From here, d'autres composants peuvent être acceptés. Option pour faire du bypass de WAF parce que ça se fait juste strip des requêtes. Active development, donc c'est normal. Et. Wouah, RCE footgun will be opt-in, il y en aura d'autres. Clairement, il dit dans les prochaines releases, ils vont désactiver 2-3 trucs dangereux. Ouais. Alors, un autre de DoyerSec. C'est le même site ou c'était juste le même template? C'est le même site. Danger de tomber dans le système role de AWS SDK client. Qu'est-ce que c'est? Codesec, Titbits. Ouais, sympa. J'aime bien l'idée d'avoir une boîte qui présente de manière anonymisée, bien sûr, des bugs qui ont été trouvés chez certains clients. Moyennant l'accord du client, on apprend tous et moyennant un délai de patch respectable. Alors, Hitchoctos, we discuss, des trucs, infrastructure as code, trop cool. Filing system, AWS. Alors, on va scroll. Parce que le AWS SDK, CDKTF et autres, il y en a plein, c'est super cool, mais c'est quand même ultra dense. Il n'y a pas de TRDL, TLDR de la faille.
Sympa. Une fonction du coup du SDK AWS qui, si on ne lui donne, enfin, qui quand elle essaie de lister le contenu d'un bucket, si elle ne trouve pas de credentials, va essayer d'auto-sourcer les premiers qu'elle trouve. Quand on demande un get anonymous, on veut un get anonyme, on veut pas un get avec le premier trousseau de clés qui est trouvé. Donc en effet, le code, ça, bon code smell. Et si quelqu'un pense avoir dit, bah, je donne des accès anonymes sur un endpoint et on finit par lui emprunter ses clés pour faire le call quand même, c'est un peu chiant. Et en effet, différents SDK, donc différents comportements. Donc, poil relou, nil one specified. Ça fait beaucoup penser à un pattern que j'ai vu à 4-5 reprises maintenant dans du code. C'est le fait de dire, alors on va par exemple faire la signature avec mon secret ou coucou en tant que secret. Ou coucou, ou utiliser par exemple chose comme env de coucou. Je trouve que si on fait des choses comme ça, ben déjà on veut utiliser un secret, point barre. Si le secret n'existe pas, on veut que ça crache et que ça n'arrive pas à faire de la pseudo-validation avec pas de secret. On veut absolument pas que ça utilise un coucou qui soit encodé, pas de secret par défaut. Et on ne veut pas non plus ce genre de pattern, parce que ça là, si coucou n'est pas présent, ça va pas forcément cracher, ça peut renvoyer nil ou vide. Si ça se met à signer avec ça, ça veut dire que si on n'a pas secret de défini, bam, ça va se mettre à signer tout avec une clé à blanc. Et c'est de la merde. Très loin de la SMR avec la petite musique. Et c'est de la merde. Alors. Aditya, Purani, Max Garrett, Electrovolt, Pawning, Popular Desktop Apps. Ah, ça sent de l'électron. Ça sent de l'électron. Est-ce qu'il y a les slides? Et non. C'est fâcheux. Est-ce qu'elles sont mises quelque part? PDF, ah, top. Desktop apps, new Electron surface. Super. One more pre-shot. J'aimerais bien juste savoir un peu de quoi il parle, mais Electron, si, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de browser embed qui permet d'avoir des applications qui tournent sur Windows, Linux et j'en passe, et Mac et autres, mais dans un pseudo-browser qui va bénéficier de certains mécanismes de protection du browser, comme le concept de broker avec une sandbox pour le render, une sandbox pour des tâches un peu plus complexes ou risquées, un main process et des intents qui peuvent être partagés. Sauf que contrairement à Android où il y a des intents faits un peu proprement, là c'est YOLO, je t'envoie des blobs JSON dans JavaScript et on voit ce qui se passe. Ou autre mécanisme, mais souvent ça finit comme ça. En même temps, ils ont pris des techno web pour que ce soit assez permissif, donc tant qu'on est sur du plutôt haut niveau, là on manipule les objets faciles manipulés. Donc le main, le render, la web page, très bien. Et bien sûr, on peut passer le main, la partie main process peut donner au renderer des built-in un peu plus dangereux, un peu plus puissants. Richard, qu'est-ce qu'ils font? Integration, context isolation, integration worker, sandbox. Ok, donc il y a pas mal de protections qui ont été mises en place pour la partie application Electron au fur et à mesure des années. Et petit à petit, elles se sont toutes fait éclater la gueule, comme en Pwn, comme en Web, comme dans à peu près tout. On protège, on bypass, on protège, on bypass. Et qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé? Faire une review un petit peu de tout ce qu'on connaît. Ah! Bypassing restricted mode dans VS Code. Donc non, don't trust. Donc on fixe SS sur tout RCE dans VS Code. Très sympathique. Alors, preview de Markdown qui fait une XSS dans la WebView de VS Code. Qui doit essayer d'écrire du code quelque part. Pour aller. Ok. Pour faire en sorte qu'ensuite le main process render HTML qui lui a accès au JS et donc à Node, enfin à Node en tant que JS pour faire du vrai require et exec des choses derrière. C'est propre, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Donc on voit pas la technique qui a été utilisée. Alors l'idée c'est d'avoir strict CSP, une XSS qui fait du meta pour rediriger vers. Donc on passe du Markdown à toujours le Markdown. Le post message avec quelque chose qui va catch dans la web view
Heroic CSS dans la WebView pour essayer de faire un do read et user directory. Ok. Et donc pour rediriger un autre. Ok. Donc ça fait un file write plus une redirection du main process vers un fichier HTML qui lui va faire l'RC. C'est sympa les failles sur Electron. La conf de mise sur Rootme est top d'ailleurs. Exactement. J'en ai parlé tout à l'heure en disant qu'il faisait des recherches sur les parseurs Confusion sur les URL. Mais clairement, il a aussi fait des talks très sympas. Du Rootme conf Electron. Plein de petits Français qui font des choses bien. C'est chouette. Ce qu'il a mis là-dedans. GraphQL, Mizu, Multiple Ways to Break Electron Application. Et en effet, il a fait des choses très sympas, en particulier avec Drouillo qu'il a éclaté récemment avec des petits bypass dans tous les sens. Très sympa, je recommande chaleureusement. Et puis, c'est un mec chouette. Et ça, c'est bon. Alors, du port trigger encore. Tiens. Service Worker via DOM Clobbering. DOM Clobbering, c'est quand on va ajouter des tags, quand on n'arrive pas à avoir une vraie XSS, mais qu'on va faire en sorte que les tags soient ouverts ou non. Ah non, là c'est du dangling. DOM Clobbering, c'est quand on va faire en sorte de forcer l'ajout d'un tag en particulier ou d'un élément en particulier dans la page pour que si un script dise getElementById ou getElementByClass ou utilise un sélecteur JavaScript ou CSS, on puisse faire en sorte que notre élément soit utilisé à la place d'un autre. Le cas le plus trivial, c'est de dire getElementById et eval. Et là, on va créer un autre élément qui n'est pas une XSS, qui est juste une injection de HTML pour faire en sorte que ce soit celui-là qui soit utilisé et eval à la place de l'autre. Et donc là, il utilise le Navigator Service Worker, qui est une API des browsers. DOM Invader, donc petit tool très sympathique fait par l'équipe de Burp Suite, qui permet de voir un peu qu'est-ce qu'on contrôle dans le DOM et qu'est-ce qui est utilisé et qu'est-ce qui pourrait être potentiellement dangereux. Donc là, ils font un div non avec un ID un peu connu pour le clubber, pour que ce soit celui-là qui prime et pas l'autre. Le service worker va enregistrer des méthodes pour faire des choses avec. Service worker, c'est... On parle de celui du browser ou on parle de celui d'un third part? Port script. Voilà, on parle vraiment du truc du browser. Hein. Alors, prolever a query string parameter. Ok. Port script function call inside the worker. Ok. Donc, faut déjà qu'on ait un worker qui fasse des choses un peu custom, mais pourquoi pas. En effet, c'est bien du query selector qui va être fait pour changer des choses. Ouais. Hello Yanzax. J'espère que tu as passé une bonne soirée et que tu as pensé à boire de l'eau. Très important de boire de l'eau. Surtout quand on est dans certaines parties de la France qui aiment bien boire autre chose que de l'eau. Et clairement, donc Yonzax est un collègue de travail. On discutait un petit peu plus tôt aujourd'hui de tiens, on va faire les reviews des articles, ça va être sympa. Et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas encore release le pré-tri des 10 articles et que du coup, il y en avait un certain nombre, je sais plus, 36, un truc comme ça. Toujours au bar à t'écouter. Genre, tu lances mon stream quand t'es au bar. Incroyable.